Ah, là. J'ai enfin réussi à trouver des trucs dans un vide-grenier, dis donc. Ça m'était pas arrivé depuis au moins le 1, 2, 3, 4, 5 derniers. 4 derniers, pardon. Donc une petite BD qui sont les gaffes, hein, je me dirai ça au chiotte tranquille. Necronomicon en DVD coffret, en bon état. Que tu lui, alors celui-là je le connais pas, donc bah, je regarderai ça. Mais c'est pareil, le coffret est en bon état, hein, le plastique est pas cassé, le disque bouge pas dans son emplacement. Hérétique 2, il est en loose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la boîte, il y a juste. Voilà. On testera ça sur un émulateur. Un ciseau au bois grande largeur, à peine émoussé ici, mais bon, c'est pas bien grave. Et une brosse métallique. Ça fait vraiment longtemps que j'étais pas revenu avec autant de choses d'un vide-grenier. La raison est extrêmement simple, c'est que pour une fois, le vide-grenier n'a pas été pris pour une friperie. Il y avait très peu d'exposants, donc du coup, je suppose que l'organisateur a fait la chasse à ça. Et pour une fois, il y avait très très peu de professionnels, et surtout, je me suis pointé super tôt. Donc à peu près à l'heure où les brocanteurs, les pillards, pardon, c'est le terme plus exact, s'en vont. Donc, vraiment avant que le public arrive, quoi. Et pour une fois, grand miracle, certes, il y avait de la fringue, mais c'était pas 99% des stands, et surtout, c'était pas 99% du matériel présenté par chaque stand.